on va parler sur garder sa parole. Amen. 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 On voit ici un soldat qui surveille. Je ne suis pas sûr qu'on serait tenté de s'approcher des choses que là, parce qu'il semble être bien armé pour défendre ici les choses qui sont à protéger. Et ici, on a mis 5 carrés. Amen. De 2 lingots d'or chacun. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous parle des 10 commandements de Dieu. Amen. 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 Il faut les garder précieusement dans nos cœurs. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et on sait aussi que Dieu a préparé des choses pour nous. Il faut s'investir nous-mêmes dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et on va aller lire dans 1er de Jean, chapitre 1. Le premier épître de Jean, chapitre 2, versets 3 à 5. Amen. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vous vous souvenez, on a parlé l'autre jour de garder ses commandements. Et là, ici, on va voir autre chose. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Mon épouse, j'aime beaucoup sa créativité. Ah, elle fait un bon travail, elle prépare les documents, elle met les couleurs, etc. Et la parole de Dieu, c'est sous une forme de semence. Amen. Et si la parole de Dieu nous dit, si nous gardons ses commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Verset 4, celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais, verset 5, celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Et il faut comprendre, je peux vous poser la question. Un gardien, c'est là pour surveiller, protéger. Amen. Et nous, c'est la même chose avec sa parole. Amen. Et qu'est-ce que la vérité? Sa parole est la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et Amen. On sait que sa parole va vraiment venir et descendre dans nos cœurs profondément. Amen. Et c'est la même chose. Amen. Dieu, dans le naturel, m'a donné une épouse. Amen. Mais je dois la protéger. Amen. Je dois la protéger. Je dois en prendre soin. Si je vois qu'elle a des difficultés, je ne la laisse pas toute seule. Je vais aller près d'elle. Je vais lui poser la question. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux faire quelque chose? Souvent, elle va dire, prie pour moi. Alors, je vais prier pour elle. Amen. Amen. Mais je vais la protéger. Amen. Amen. Dieu nous a donné des enfants, Amen. C'est pour les protéger. Amen. Amen. Mettre un cercle de protection autour d'eux et de surveiller ce qu'ils font. Amen. Amen. Et combien à plus forte raison on devrait le faire pour le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Parce que l'autre jour, on a dit qu'on devait vraiment garder ses commandements. On a vu que les commandements sont bons pour l'homme. Amen. Amen. Et quel était le premier commandement de Dieu? On a vu que c'est « Écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. » Amen. Et hier soir, je parlais avec Andrés sur les temps dans lesquels nous sommes. Et l'importance de se préparer. Je lui expliquais que dans les sports, on peut faire une analogie, quand il y a un camp de sélection, on sait des choses. On sait qu'il y a une date, on sait qu'il y a un endroit, on sait c'est quoi l'activité, puis on sait les exercices qu'on doit faire. Je me souviens, Alexandre, quand elle est allée participer au camp d'entraînement pour les équipes élites, les équipes de compétition, on lui avait remis, avant la pré-sélection, une liste de choses à faire.
des exercices qu'il devait faire, des conditionnements physiques, etc. Et afin que quand il arriverait au camp de sélection, qu'il soit prêt, qu'il soit pas pris par surprise. Et je vais vous en conter une bonne. Parce que moi, quand j'étais adolescent, quand j'étais à 17 ans, à 16 ans, j'avais fait l'équipe et j'avais joué avec eux autres, mais l'année d'ensuite, durant l'été, au lieu de m'entraîner, j'ai fait autre chose. Et vous savez ce qui est arrivé, c'est que quand est arrivé le vrai camp d'entraînement, bien, ils ne m'ont pas choisi. Ils n'ont pas fait de favoritisme. Ils ont dit, ah, oh, mais l'année passée, il était là, il était bon, tout ça, mais puis, ah, oh, on va lui donner une chance, il va s'entraîner. C'est pourquoi? Ils ont dit non. Merci. À l'an prochain, s'il y a un prochain. Faisons en sorte qu'avec Dieu, il n'en soit pas ainsi. Amen. On sait qu'il va y avoir un enlèvement. On sait que Dieu va venir nous chercher un jour. Heureux ceux qui auront part à la première résurrection. Et c'est ce que je disais à Andrés. Andrés, s'il y a un événement que tu ne dois pas manquer, c'est l'enlèvement. C'est lorsqu'on va être transformé en un instant et qu'on va aller à la rencontre du Seigneur aux noces de l'agneau. Amen. Et vous savez, il va y avoir des surprises. Il va y avoir des grandes surprises. C'est pour ça que la parole de Dieu nous enseigne. Il nous a donné toute la liste des exercices qu'on doit faire, des pratiques qu'on doit faire pour se préparer. Il nous a surtout dit de marcher dans la sainteté de Dieu, d'obéir à sa parole, de se repentir, d'être baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, d'être rempli du Saint-Esprit et continuer à marcher tous les jours et de prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile aux gens qui nous entourent. Amen. Amen. Alors, on va aller voir dans Jean chapitre 8, versets 31 et 32. Qu'est-ce que dit la parole, en fait, exactement? Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Évangile de Jean chapitre 8, versets 31 et 32, la Bible dit, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Va nous affranchir de quoi? Du péché. Amen. Et vous savez, on ne peut pas commencer à regarder les autres puis commencer à se comparer. Parce que Dieu lui fait pas, il fera pas de comparaison. Dieu est celui qui sonde les cœurs. Amen. Amen. C'est Dieu qui voit les intentions du cœur, qui voit vraiment le désir, le cœur disposé à le servir. Amen. Amen. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. Elle va nous purifier. Elle va nous laver tous les jours. Amen. Amen. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, la Bible dit, « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Amen. Le but de Dieu, c'est de venir habiter en nous. Amen. Il veut vraiment nous transformer et veut vraiment que nous lui appartenions. Amen. Amen. Et ça, l'aimer et de garder sa parole. Tantôt dans l'image, on voyait que c'était un soldat qui protégeait. La Bible dit de se revêtir de l'armure de Dieu. Amen. 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 Pourquoi? Pour se garder et se défendre. Et nous devons vraiment faire en sorte de savoir où est notre trésor. Amen. Si notre trésor est dans les choses du monde et ce qui lui appartient, on n'a pas placé notre priorité à la bonne place. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 11, versets 27 et 28, la Bible dit, « Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant, regardez ce qu'elle dit, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuse les mamelles qui t'ont allaité. » Il référait à sa mère. Regardez la réponse de Jésus. Amen. Et il répondit,
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la garde. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et ça, c'est très important de voir qu'est-ce que le Seigneur a répondu ici. On ne peut pas se fier à nos propres œuvres. Il faut se fier à lui. Avoir confiance en Jésus et lui va nous donner les œuvres qu'on doit faire, mais pas nous de décider qu'est-ce qu'on va faire. Le Seigneur, il est souverain et il mérite qu'on lui obéisse premièrement. L'autre jour, on a dit « L'obéissance vaut mieux que toutes les sacrifices. » Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et on sait que ça, c'est la vérité. Amen. Et dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, versets 5 à 7, la Bible dit « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Amen. 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 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce qui arrive? Il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche, puis on ramasse les serments et on les jette au feu et ils brûlent. Amen. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeure en vous, amen, demandez ce que vous voudrez et cela vous. Ou d'écouter quelques sermons. La parole, elle doit pénétrer à l'intérieur de nous. L'autre jour, je l'ai dit, la grâce et la miséricorde se recueillent tous les jours. La parole se recueille, elle doit entrer dans nos cœurs, dans l'entendement, et elle doit porter du fruit. Elle doit nous transformer. Amen. Gloire à Dieu, à son image. Gloire à Dieu. Dans la même évangile de Jean, chapitre 17, verset 6, la Bible dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes. » Et que tu m'as donné du milieu du monde, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Amen. Amen. N'oubliez pas que la parole, c'est plus précieux que l'or. Amen. Parce que ici-bas, toutes les richesses que les gens peuvent avoir, il y a un dicton qui dit que un coffre-fort ne suit pas le corbillard. Tout cela n'est que vanité des vanités. Tout n'est que vanité et poursuite du vent. Je parlais de cela à quelqu'un dernièrement. Vous savez, dans la vie, on est et on grandit et finalement, on connaît nos parents, on connaît nos grands-parents. Et quelques-uns vont connaître leur arrière-grand-père, arrière-grand-mère. Mais en dehors de ça, on ne connaît pas personne. Toutes les générations précédentes, qui va s'en souvenir? Amen. Personne ne va s'en souvenir. Et c'en est ainsi de toutes les gens qui viennent sur la terre. On est comme la fleur des champs. Amen. Et vous savez, on n'est que de passage ici-bas. Et nous avons une opportunité. Amen. De impacter la génération dans laquelle nous vivons. Amen, amen. Et c'est la celle d'aujourd'hui. Amen. Celle dans laquelle nous vivons. Et le Seigneur a promis qu'il serait avec nous. Amen. Amen. Gloire à l'agneau. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Amen. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 8, versets 51 et 52, la Bible dit, « En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. » Amen. Tantôt, on a dit, il y en a combien qui veulent aller au ciel? On peut te lever la main, même les deux mains. Amen. Mais pour
ça, il faut garder sa parole et y obéir. Amen. Verset 52. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort et les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde la parole, il ne verra jamais la mort. C'est parce que lui, Jésus, il était Dieu manifesté dans la chair. Lui avait l'autorité. Il avait le droit de dire ce qu'il venait de dire, puisqu'il avait, il était la résurrection et la vie. Et vous savez quoi? Si on ressuscite, c'est avec Jésus-Christ qu'on ressuscite. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et, nous, et c'est cette direction-là qu'on va prendre, la résurrection et la vie. Amen. 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 Gloire Amen. À Dieu. Amen. Et ça, c'est important. Amen. Parce qu'on n'est que de passage. Et si on veut avoir, aller au ciel, il faut suivre le chemin. Amen. Amen. Dans la Bible dit, dans Apocalypse, chapitre 3, verset 8 à 10, regardons ce que Jésus dit au travers de l'ange, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole. » Vous voyez comment c'est important? Et que tu n'as pas renié mon nom. Quel est son nom? Jésus! Jésus! Amen! Et on ne reniera pas son nom. Amen. Amen! J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Amen! Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier, pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Amen. Alors, on voit encore une fois l'importance de garder la parole de Dieu. Amen. Amen. De la protéger. Amen. Si réellement on réalisait l'importance de la parole de Dieu, si on réalisait l'importance de l'étudier, l'importance de connaître davantage, on ferait des efforts pour le faire afin que le Seigneur puisse nous donner des plus grandes révélations. Amen. Amen. Afin qu'on puisse marcher dans la sainteté de Dieu. Amen. 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 Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 7, la Bible dit, « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Amen. Heureux celui qui garde les paroles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dans la Bible, il y a 66 livres. Amen. Amen. Il y en a 37 dans l'Ancien Testament et 26 dans le Nouveau Testament. Et on sait que le Seigneur nous a appelés à marcher dans la vérité. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de Jésus. 39, 27 pour faire 66. Amen. Alors, c'est la vérité. Et il faut lire, il faut étudier, il faut aller à l'église, il faut écouter des prédications, il faut se nourrir. Souvent, les gens disent, « Ah, ceux qui lisent la Bible, ils vont devenir fous. » Ça, c'est une fausse croyance. Le livre de la vérité est disponible pour toutes les âmes. Il a été rendu disponible et c'est notre responsabilité de savoir ce que contient le livre. Quel est notre héritage? Quand on veut accepter un héritage, il faut savoir ce qui est écrit dedans. Parce que on pourrait avoir un héritage puis hériter des dettes. On est mieux de le savoir avant de signer parce que c'est une réalité. Amen. Amen. Et il faut s'engager envers Dieu. Ce n'est pas seulement un contrat, c'est une alliance avec Dieu, inconditionnelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et la Bible dit dans Colossiens, chapitre 3, versets 16 et 17, que la parole de Christ habite parmi vous, abondamment. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs
sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, dans la génération dans laquelle nous sommes, nous devons présenter à l'humanité le plan de salut. Le plan pour hériter de la vie éternelle et d'être co-héritier avec Christ. Le droit d'être appelé enfant de Dieu. Il nous faut vivre ce que Jésus a annoncé. Il vous faut naître de nouveau. Et l'apôtre Pierre, lors du jour de Pentecôte, lorsqu'il s'est levé, il a résumé en un verset le plan de salut de l'humanité. Et que si les hommes obéissaient à cela, les Juifs avaient dit, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Pierre a dit, après avoir entendu ce discours, verset 37 de Actes 2, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous? » Verset 38, Pierre leur dit, « Repentez-vous. » Ça veut dire changer de direction. Amen. Et que chacun de vous soit baptisé. Baptisé, il y a du mot baptiso, ça veut dire immergé. Amen. Qui est un symbole de la mort et de la résurrection avec Christ. D'être baptisé dans quel nom? Le nom de Jésus-Christ. Et pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Si quelqu'un ne s'est pas repenti et qui n'a pas été baptisé par immersion au nom de Jésus-Christ, il est encore dans ses péchés. Et le péché ne peut pas rentrer dans le ciel. Alors, c'est important que tous ceux à qui on prêche, qu'ils puissent à tout le moins comprendre, recevoir le message merveilleux de l'amour de Dieu, de la repentance et de baptême dans son nom. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Et ce soir, c'est la même chose pour toutes les âmes. Ici, à Granby, on a encore un grand travail à faire pour partager la parole de Dieu et de parler du plan de Dieu, de parler de cette nouvelle naissance, amen, de parler que Jésus est mort et ressuscité. Amen. Amen. La tombe est encore vide aujourd'hui. Amen. Il y a plus de 2000 ans, Dieu s'est créé un corps, s'est incarné. Amen. Il est venu sur la terre. Il a habité parmi nous. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Il est venu accepter. Il savait lorsqu'il viendrait dans ce corps qu'il devrait accepter d'être couronné d'épines. Il devrait accepter d'être méprisé, abandonné. Abandonné de ses disciples, abandonné de ses apôtres. Il devait accepter d'être fouetté d'une façon barbare par les Romains. Il devait accepter de porter une croix. Il était devenu tellement faible qu'il ne pouvait même plus la porter lui-même. Amen. Et Seigneur, il a accepté de venir jusqu'à la croix et accepté d'être maudit à la croix afin que nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Afin que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés. Amen. Afin que nous puissions être des candidats à être remplis du baptême, amen, du Saint-Esprit. Amen. À être des candidats d'être appelés des enfants de Dieu. Amen. À être des candidats de marcher dans la sainteté. Amen. D'être des candidats pour tendre la main aux malheureux. À être des candidats à prêcher et à voir des miracles arriver. À voir des malades guéris. Amen. De prier pour les malades. De voir des gens et des femmes être libérés de démons, de l'idolâtrie. D'être libérés du péché. Et de toutes les perversions qui peuvent exister dans ce monde. Gloire à Dieu. Amen. Les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher. Amen. Et nous nous préparons pour le ciel. Amen. Nous allons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous, on va continuer à prier, on va continuer à jeûner, on va continuer à marcher loin du monde et des choses du monde. On va continuer à parler à nos familles, on va continuer à parler à nos collègues de travail, on va continuer à parler
aux gens qui nous entourent, même sur la rue, même dans les endroits où on va continuer à témoigner de le message que Jésus vit et vit éternellement. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ce soir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever debout. Amen. Alléluia. Oh, tu mérites toute la gloire, toute l'honneur, toute la gloire. Oh, tu es au milieu de ton peuple, Seigneur. Alléluia. Oh, tu es au milieu de ton peuple, tu es ici, Seigneur. Oh, Père éternel, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne nos erreurs, pardonne nos manquements, Seigneur. Oh, Père éternel, Seigneur, tu mets dans nos cœurs plus de joie qu'il n'en ont, Seigneur. Purifie-nous, lave-nous, Seigneur. Oh, Père éternel, oh, alléluia, revêt-nous de ton vêtement blanc, du vêtement blanc, Seigneur. Oh, Père éternel, nourris nos âmes. Donne-nous, Seigneur, d'être de vaillants guerriers, Seigneur. De ne pas avoir peur de combattre le bon combat de la foi, Seigneur. Oh, Père éternel, de protéger la parole qui est en nous, Seigneur. Oh, Père éternel, l'image, Seigneur. Père éternel, de gardien, de garder sa parole, Seigneur. Que cette image reste gravée dans nos pensées, dans nos cœurs, qu'on doit défendre, la, Seigneur. On doit, Seigneur, la mettre précieusement dans nos cœurs, Père éternel, et aussi d'y obéir, Père éternel, non seulement, Père, de la garder, mais d'y obéir, Seigneur, et Père éternel, de la manger, Seigneur. Oh, à toi la gloire, à toi l'honneur, Seigneur. Oh, merci, Seigneur, de nous avoir amenés dans cette maison ce soir, Père éternel, afin de réaliser combien ta parole est certaine et véritable. Oh, Seigneur Jésus, de réaliser, Seigneur, que nous avons une responsabilité, Seigneur. Mets ta parole, Seigneur, et qu'elle porte du fruit dans nos vies. Tu as dit qu'on ne peut pas porter de fruits sans toi, Seigneur. Qu'on puisse porter les fruits de l'Esprit, Père. Nous te le demandons, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. attaché à la croix. Oh.
Presence, aleluya. C'est la parole de l'Éternel pour nous ce soir. Si ti barra para la vasilla. Nous te remettons, Seigneur Dieu, notre retour à la maison
et le reste de la semaine, Seigneur et Père éternel. Mais Père, nous ne savons pas les jours que nous avons dans notre vie, Seigneur, alors que chaque jour que nous soyons prêts, Père. Seigneur Jésus, nous te prions, nous te louons dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Bénis-toi, le nom du Seigneur Jésus. Alléluia.